Personne ici pour me sauver la peau. J'ai appris tout seul à bien fermer la C, mais l'affaire est classée, donc la ferme c'est assez. Ça, c'est le tout premier son postera Zamdan sur Facebook. On est 5 ans avant Couleur de ma peine. À ce moment-là, il a 19 ans. Ça fait à peine un an qu'il est arrivé en France. Et en même temps que le succès arrivera au fil des années, viendra aussi plusieurs bouleversements dans sa vie. Pourquoi Zamdan est triste? Comment a-t-il fait pour transformer cette peine en une force en l'intégrant à sa musique? Vous allez tout comprendre, on revient au tout début de son parcours. C'est parti. 25 septembre 1997, Mabtoukala, un petit quartier de Marrakech au Maroc, c'est là où va naître Ayoub Zeidan. Encore aujourd'hui, il continue de dédicacer son quartier dans les sons, il a pas oublié d'où il vient. Vu que son daron était guide touristique, il parle plus d'une dizaine de langues, alors c'est lui qui apprendra le français à Zamdan. Et de son côté, Zamdan l'aidera à accueillir les touristes, il échangeait avec eux, portait leurs valises, et ça arrivait parfois qu'il les raquettait, bon voilà. Je me rappelle, je ramenais des touristes, puis je les raquettais. À Marrakech, il va vivre une enfance tranquille, il a plein de potes, s'amuse de fou. À cette époque, il traîne souvent sur la place Jemaa El Fna. C'est un souk où il passera beaucoup de temps avec ses potes. À 16 piges, il sera même amené à faire des combats de rue sur cette place, mais il sera souvent éteindre. J'ai fait aussi des combats de rue sur la place. Mon cousin, il m'a poussé à l'intérieur du cercle, tu vois, je me suis trouvé piégé, c'est tout. Mais j'ai jamais gagné. Ah ouais, ils mettent leur champion si tu veux faire quoi. En gros, j'avais 16 ans, j'avais 6 couilles, impossible. À côté de ça, il s'intéresse de fou au foot, il ira même au centre de formation, mais là encore, son niveau se démarquera pas, alors il perd peu à peu la motivation. Mais bizarrement, à cette époque, Zamdan, il écoute pas beaucoup de musique. Il suit un peu ce qui passe à la radio. Les artistes mainstream français de l'époque, comme Booba, Lacrim, Sefiu, quelques rappeurs marocains, Ashkane, mais il se mange pas une claque. C'est clairement pas sa passion au début. Ouais, t'étais pas fan d'un artiste en particulier. J'étais pas fan de rap plus que ça. Même à la base, j'étais pas du tout fan de rap. Ayoub, c'était pas un bon élève. En fait, ses parents voulaient qu'il fasse un parcours classique, médecin, avocat, mais lui se sentait clairement décalé de tout ça. Il savait déjà qu'il voulait pas faire un métier normal. Lui, il voulait créer, pensait faire de la vidéo ou écrire des livres, mais retour à la réalité, à ce moment-là, il écoute pas du tout en cours. Il fout le bordel au point où il va rater son bac. Problème, aucun lycée de Marrakech veut de lui. Il est cramé de partout. Mais alors qu'il galère, qu'il fait des demandes à des écoles par-ci par-là sans savoir s'il pourra réellement passer son bac, les étoiles dans les yeux, il vient de recevoir une réponse positive d'un lycée à Istres, une petite ville à côté de Marseille. Faut savoir qu'à ce moment-là, Zamdan, c'est son rêve d'aller en France. Il voyait vraiment la France comme la terre des opportunités. Il a toujours été jaloux de ses cousins qui partaient y vivre. Et il voyait aucun plan d'avenir dans son pays. C'est comme ça qu'à ses 18 ans, il va traverser la mer, puis l'Espagne, en voiture, pour finalement finir ses études en France. En arrivant, il découvre une autre façon de vivre. Il est assez timide, et comme il voit que c'est pas forcément la même mentalité qu'au bled, il sent qu'il doit s'adapter pour pas trop se faire remarquer. Il va même se mettre à cacher son accent. Donc t'as grandi au Maroc et t'as pas l'accent comme ça? Mon frère, on est fort. T'es perfectionniste, dès que t'entends un truc qui va pas... Non, tant que j'ai pas l'accent blédard, tu vois. Du coup, il se rend vite compte que le Maroc lui manque. Ayoub se sent un peu seul. C'est là qu'au lycée, il va faire la rencontre de Bliss. Bliss, ça va devenir son meilleur pote. Et c'est lui qui va vraiment le faire découvrir le rap. C'est le premier gars à poser un couplet devant Zamdan. Ça va le choquer et lui donner envie de faire la même chose. Il va creuser dans le rap français, découvrir plein de styles, notamment les kickers comme Nekfeu, vu que c'était la période où il venait de sortir son premier album, ou Kaba et Jean Jass. Tout va aller très vite. Atlis, un pote à eux, rejoint l'aventure et il décide de monter un groupe à trois, Shinobi Squad. La tête dans les nuages et le nez dans le cyanure. Mec, t'es mort dans le scénar, je résonne à la tare de ville quand c'est dur de voir. Passons comme un garde-voix, on a de grands devoirs. Bon, on remarque vraiment leur influence à l'époque. On sent que c'est du rap assez scolaire, qu'ils imitaient les mecs qui kiffaient. L'idée était bonne, mais ça manquait d'une identité. À cette période, Zamdan, il est à la fac, au cours Julien, en économie. Mais la musique commence à prendre de plus en plus de place. Compliqué de jongler entre les deux. Alors, au bout d'un an, il lâche les cours. En commençant un peu à traîner à Marseille, il rencontre d'autres gars comme lui à qui il s'identifie. Alors, tous les soirs, il se retrouve autour d'une enceinte et d'une taille d'alcool pour rapper pendant des heures. Petit à petit, il se met aussi à rapper dans des skateparks. Il participe à des open mic, il rencontre des beatmakers, jusqu'à sortir son premier son sur YouTube, Simbad. Qu'est-ce que le critique que je m'accorde pourra me sauver? Pourquoi quand on me demande est-ce que tout roule, je réponds ça va, pourquoi je garde les pieds sur terre, je ne rêve que d'ascension. Bon, même si au niveau de la formule, ça ressemble à beaucoup de choses qui se font à l'époque, que c'est moins personnel que ce qu'il fait aujourd'hui, on retrouve déjà dans le texte un peu de cette mélancolie. 6 mois après, juin 2017, Zamdan balance un deuxième titre, Favaro, littéralement le son qui va changer sa vie. Je comprends plus R, qu'on pense Bulder avec des produits bizarres, enfant du père, je m'en branle du blé, marche sans conscience comme un octambulaire. Le son est cool, premier succès, premier million de vues. Je me rappelle, je le découvre à ce moment-là quand j'ai 14 piges. Alors ça reste encore assez niche, mais c'est déjà assez pour se faire opérer. Il fera un règlement freestyle à côté d'artistes un peu plus confirmés, comme PLK ou Dooms. Il fera même un grunt où il ramènera tous ses gars de Marseille. Faut que je m'active, faut que je les achève, non rebugez pas la pression. Faut comprendre que tout s'enchaîne en quelques mois. Avril 2018, il balance son premier projet. On le sent plus sincère vu qu'il va aborder des thèmes plus profonds. Il fera aussi plusieurs tentatives avec de l'autotune, mais ça manque toujours de son identité. On a l'impression qu'il se lisse, qu'il est pas lui-même à 100%. Alors il veut prouver à tout le monde qu'il a sa place, qu'il a la dalle. Il balance la saison 1 d'Affamé avec cette cover qui représente bien sa déterre à ce moment-là. Chaque titre sera accompagné de son clip. À côté de ça, il continue de balancer des singles, un nouveau projet l'année d'après. On aurait pu penser que Zamdan resterait ce rappeur underground, assez scolaire, mais arrivé en 2020, il balance Chrysalis. Alors c'est pas forcément un succès commercial, mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois, il propose réellement quelque chose de nouveau. Plus de prise de risque, il ira même jusqu'à faire des sons où il change d'intonation et de flow tout le long. Le plus beau, le plus
fais quoi dans la vie? J'essaie de rester sain. Petit à petit, il fera aussi ressortir son accent marocain dans les sons. Bref, on sent qu'il se bride plus. En vrai, il a compris que ça faisait partie de son identité. Et ça se ressent aussi dans les interviews qui sortiront dans la foulée, vu qu'il parlera d'une manière beaucoup plus naturelle. Je vais renouer un peu avec mes origines, chercher à puiser un peu de l'inspiration dans la musique arabe. Dernièrement, beaucoup l'ont critiqué pour ça. Ça l'a accusé de jouer un personnage dans les interviews, de se faire passer pour un blédard pour l'image. Mais les frères, il a passé 18 ans de sa vie au Maroc. Le français, c'est même pas sa langue natale. Évidemment qu'il a un accent. Je pense qu'il a juste mis du temps à s'accepter, qu'il s'est direct mis dans une case à vouloir rapper comme les mecs qui kiffaient au début de sa carrière. Ça lui correspondait pas si bien que ça au final. Chrysalis, ça lui a permis d'expérimenter des choses, de voir ce projet comme une sorte de labo, et c'est ce qui va lui permettre d'évoluer les années d'après. La suite, vous la connaissez, la saison 2 d'Affamé sort. Encore une fois, ça c'est intelligent vu qu'il balance ça sous forme de single petit à petit. Ça va prendre de fou à ce moment-là. Il a enfin réussi à toucher du doigt ce qu'il voulait faire, réussir dans la musique de manière honnête en étant lui-même. Mais plus le temps passe et plus il aborde des thèmes sombres. Alors c'est cohérent vu qu'il disait vouloir transmettre des émotions, mais c'est plus que ça. Là, on le sent de plus en plus triste et plus que jamais au moment où il sort son premier vrai album, Couleur de ma peine. Pourquoi Zamdane est aussi triste? Pourtant, comme je l'ai dit, tout commence à bien se mettre en place. Il commence à se professionnaliser en montant son propre label. À ce moment-là, il commence tellement à faire parler de lui qu'on lui proposera même un contrat d'artiste avec une avance de 800 000 balles qu'il refusera pour rester en Indé. Bref, professionnellement, ça se passe très bien, mais c'est pas le cas dans sa vie personnelle. On est en fin 2019. À l'âge de 18 ans seulement, sa sœur décède d'un accident de voiture. Ayoub est brisé. Un jour au studio, après avoir vidé une taille à lui tout seul, il décide de servir de toute cette peine pour écrire l'un des sons les plus touchants et tristes du rap français. Vite quand t'es pas là. Parce que je suis vide quand t'es pas là. C'est pour Aïcha, ma petite sœur. Prenez soin de vous. C'est un événement qui le fera beaucoup gamberger. Comme il l'a dit, il vivra dans sa tête pendant des mois entiers. Après ça, il prendra forcément en maturité. Il prendra aussi conscience que la vie peut s'arrêter à tout moment. Alors il veut laisser quelque chose de grand derrière lui, dans la musique. Il veut pas être un artiste lambda qu'on oublie au bout de deux mois. Il veut laisser un héritage qui lui ressemble. C'est un peu ce qui va déterminer sa nouvelle direction musicale. Il va s'ouvrir encore plus dans les sons, chanter de plus en plus et aborder des thèmes de plus en plus sombres dans l'album. Il a enterré sa sœur l'année dernière, depuis sa famille passe avant tout. Et malheureusement, il n'a pas qu'un deuil à supporter. Mes frères sont partis, je perds un frère, deux frères, trois frères, quatre frères chaque année. Dans Couleur de ma peine, on le sent profondément triste. Dans tous les sons, il explique qu'il perd des amis à cause des conditions de vie à Marseille ou bien des conditions des migrants marocains. Il aborde de plus en plus ce sujet dans ses sons. On sent vraiment que ça lui tient à cœur de parler des difficultés qu'il a vécues ou que ses proches ont pu vivre en traversant la mer pour venir en France. Je voyais les enfants des autres jouer dans un pavillon pendant que les nôtres partent en bateau reviennent en avion. C'est un sujet qui le touche tellement qu'il va organiser un concert caritatif à la sortie du projet. Le but, réunir 14 000 euros pour l'association SOS Méditerranée qui s'occupe justement des sauvetages de mer. Il fera les choses bien vu qu'il invitera plein d'artistes. Et l'année dernière, il a réorganisé la même soirée en x10. Alors que tout s'organise tranquillement, qui programme des artistes de fou comme Rimka, Ness ou Nemir, que tout est quasiment prêt pour le concert. Le 20 mai 2023, il va à son tour se retrouver dans un grave accident de voiture. Et il raconte même avoir vu sa vie défiler devant ses yeux. Lui, il interprète ça comme un message de Dieu pour justement lui montrer que la vie est précieuse. Et c'est pas cet accident qui va l'arrêter. Il a des valeurs à défendre. Alors blessé ou pas, quitte à rapper en fauteuil roulant ou à galérer avec des béquilles, il va le faire ce concert. En tout pour l'événement, ils vont vendre 8000 tickets, ce qui va rapporter plus de 100 000 euros pour l'assaut. C'est vraiment énorme. Un événement caritatif rap de cette ampleur, je crois que c'est quasiment du jamais vu en France. Et c'est Zamdane qui l'a fait, tout en transmettant à la fois sa peine, mais aussi son espoir à ceux qui l'écoutent. Maintenant, j'attends fort son prochain album. Il a fait un Colors récemment assez touchant avec Sofiane Pamor au piano. Aujourd'hui, il a toutes les cartes en main pour devenir un artiste reconnu de fou. Maintenant, vous l'avez compris, il a beaucoup taffé pour trouver son bail. Le piège, par contre, ce qui peut faire peur, c'est qu'il arrive pas à se renouveler, qu'il s'enferme dans ce piano-voix qui peut devenir répétitif à force. Mais je pense qu'il est bien conscient de ça. Depuis quelques mois, on voit quand même tenter d'autres choses. Récemment, par exemple, il a été un peu plus influencé par la house. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo entièrement. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, ça aide de fou. Et merci aux sponsors de cette vidéo. Vous commencez à les connaître. C'est le moment où il faut que je vous parle d'opéra. Accompagné sur les 3 derniers mois. Pour de vrai, c'est vraiment le meilleur navigateur. Littéralement, il éteint tous les navigateurs par défaut. Ça fait plusieurs mois que j'utilise. Il y a plein de fonctionnalités qui permettent de gagner du temps. Il y a une barre sur le côté avec tous les raccourcis. Tu te connectes directement à WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, sans même que tu aies à quitter ta page. On n'oublie pas aussi toutes les plateformes de streaming pour écouter de la musique tout en continuant de surfer sur le net. Ils viennent aussi d'ajouter une intelligence artificielle. Comme ça, tu peux poser des questions. Ça peut te faire gagner du temps sur tes recherches. Et à partir des réponses que tu reçois, tu peux approfondir tes recherches en cliquant sur les mots-clés. Tu peux même surligner n'importe quel texte sur un site pour faire un résumé, faire des recherches sur le sujet ou juste traduire. Évidemment, la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, un VPN gratuit et directement intégré pour changer ta localisation et être anonyme. Il y a même un bloqueur de pub tout aussi gratuit qui tèche toutes les pubs, les pop-up relous. Tu peux aussi optimiser tes recherches en classant tes onglets ensemble pour que ça soit plus clair si par exemple tu cherches des hôtels pour des vacances. Tu peux les réduire, les agrandir. Le plus cool, c'est qu'Opéra, c'est un navigateur complètement gratuit. Tu peux synchroniser tes données de ton navigateur jusqu'à Opéra très facilement. Ils ont une fonctionnalité exprès pour ça. Alors, téléchargez Opéra, vous avez le lien en description. Et merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Et on se recapte très bientôt.
bientôt, je vous dirai sur Insta ce que j'ai pensé du projet. Ciao. Salam ya salam. Sakart al-bab. Ala souri ala omri.